Son tableau qui gagne une énergie, la donne cap dégager. Donc nous-mêmes, en tant que filles, donc soit que moi je suis une fille, c'est pour mettre en valeur la femme. Donc, et ouais, dans le tableau, ça a tout, il y a un aigle la donne. Donc nous, même en tant que femmes haïtiennes, nous n'avons pas de valeur, nous n'avons pas de force, nous avons quantité de choses que nous n'avons pas fait. Mais des fois, nous juste trouvons nous dans une mauvaise position pour que nous ne pas capables de mettre ça nous gagne en valeur. Mais pourtant, juste veux faire la femme connaître que. Donc, nous n'avons pas de choses que nous avons fait. Et c'était toute l'énergie ça qui dégageait en dedans dans la bourse. C'est œuvre moi, c'est moi qui fais. Sauf que je brode, j'ai l'autre artiste qui met peinture pour moi. C'est broderie qui me fait, je fais peinture. Et puis j'ai une nappe complète pour table. Comment vous présentez à ta famille? Petit guave. C'est Elion Voltus. C'est œuvre qui sortit quoi des bouquets, village artistique de Noailles. Je fais plusieurs bagages, je fais plateau, je fais ange, je fais. Sapin de Noël. Noël, c'est la paix, la joie, l'espoir, l'amour. Haïti. Ça a un cadeau, ma photo. Deux photos là-dedans. Ça, c'est bol. Des fruits, pain, tout ça. Gourmette, ange. Belle bagaille. Je vais présenter les organes 2e 500 premiers. Je vais présenter les pietailles. C'est un membre de Calfouches et c'est l'organisation LOEA, ensemble avec les autres membres qui invitent nous, qui créent l'exposition pour nous. Et nous disons merci d'abord pour cette occasion ça, et préparer pour nous. Et vous faites ça tout, nous fait un plaisir tout pour nous porter des belles œuvres d'art pour chaque monde. Bon, exposition, très plus exposition déjà, parce que ça fait 38e exposition pour participer. Et Haïti comme à l'étranger, c'est pas pour la première fois. Combien de tableaux exposés là? Bon, m'exposer environ 12 tableaux, mais c'est pas seulement de plusieurs autres artistes que vous entendez. C'est un plaisir pour moi participer dans l'exposition ça aujourd'hui. Dans l'occasion, il y a un marché offert exactement. Pour nous être capables d'acheter œuvre pendant la période de Noël. Là. Et moi-même, moi représenter Carrefour Feuille, parce que c'est le mouvement Tête en Main. Avec plusieurs amis, nous avons décidé de faire un atelier ensemble qui était les folies ouvertes. Et il est vrai que je me déplace, je habite dans la zone encore. Même toujours en connexion moi-même avec Atissio. Donc, je suis capable de dire quelque sorte, je représente Carrefour Feuille, parce que c'est le mouvement qui a commencé. Et c'est la plus artiste et stable. Donc c'est là mon représentant. Le 4 novembre, il y a un artisanat en fait. Et nous-mêmes, nous avons décidé de faire en partenariat avec le bureau EA, okay, le représentant spécial qui est là. Nous avons décidé de faire pour débattre tout artiste qui n'a pas de temps, qui n'a pas de temps. Il y a une possibilité pour de participer à l'artisanat en fait. Nous avons une chance, je dis, pour être capable d'exposer et bagailler, œuvre, tout ça que vous avez travaillé, que fait pendant toute l'année, pendant l'année d'avant. Et puis, qu'on y a pour le monde qui est capable de bénéficier. Vous avez un petit cop qui est entré dans mes retours pendant la période de décembre. C'est une raison que moi je suis entraîné, et toujours aimé, c'est l'artisanat, parce que moi c'est une belle bagaille qui jamais existé, d'ailleurs c'est culture non. Et c'est ça aussi qui flambeau nous dans le pays, automatiquement pour parler de peinture, de l'artisanat, ou Haïti, et ou est la potentialité qui gagne. Et la potentialité existe parce que quand même, il y a des artisans qui sortent dans des zones défavorisées, beaucoup plus.
Donc, il y a même des œuvres et de messieurs qui sont dans la prison. Et tout ça, c'est une façon pour nous tous pour capables de mettre une main dans la main pour nous sortir de tout problème que nous avons aujourd'hui. Nous avons près de 25 et nous avons de, au niveau de villageois, et nous avons un graffeur qui est à staff, nous avons Elion qui sortit tout de villageois et tout, nous avons Iferli qui sortit de Tigouave. Et qui lui même vient porter broderie et tout le bagage ça. Donc tout ça nous gagne plus et peinture tout qui l'a tout. Et donc c'est ça, nous gagne près de 25 artisans. On a quitté jusqu'au 18, jusqu'au vendredi 18. Et nous invitons tout le monde à venir passer pour visiter, pour travailler mon yo, pour faire un petit corps, bon petit corps qui est dans quand même pour décembre dans tout, parce que pour faire année. Pour ça que c'est que l'artisan, c'est de ça que le cas vive, c'est de ça bon Dieu bali. Hein. C'est de parce que l'esprit créatif est un don divin. Donc je dis, il faut qu'il soit exploité, il faut vivre dedans que bon Dieu balie. Donc c'est pour ça que j'ai encouragé tout le monde, pour moi-même, là, pour moi l'acheter. Et encouragé tout le monde qui a regardé là, pour moi, pour venir passer dans le local OEA, qui est dans l'immeuble Hexagone, pour venir encourager tout artisan, tout artiste peintre, tout le monde qui travaille pendant toute l'année, pour faire le service à eux.